Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de 2023. Et je souhaiterais voir ce qu'il va se passer pour notre gouvernement en 2024. Dans les six premiers mois, voir, je ne sais pas ce qui va bouger, peut-être, peut-être pas. Ils viennent d'essuyer un premier refus avec la loi immigration. J'ai fait un sujet là-dessus, je vous ai dit, elle reviendra. Je vous avais dit, elle serait de toute manière, elle finirait par, ad par être adoptée pardon, au 49-3. Et ce n'est pas parce qu'elle est refusée une fois qu'elle ne peut pas être représentée. Il ne faut jamais s'intéresser, on va dire, à la première étape. En voyant, je regarde toujours la finalité. Les étapes ne sont que des soubresauts. Alors regardons tout simplement assez de palabres, regardons l'évolution du gouvernement sur les six premiers mois de 2024. La majorité des Français n'est pas content de l'action du gouvernement. Ce que je veux regarder, eh bien c'est est-ce qu'ils seront entendus ou, euh, ou pas, comme malheureusement souvent. Alors regardons. Et pour l'instant, eh bien nous avons l'impression que le gouvernement essaie d'être resserré. Nous avons la carte famille. La carte famille ne veut pas dire que c'est un gouvernement familial, mais presque. Nous sommes nous avons l'idée de voir un petit peu une maman que l'on pourrait mettre sur Emmanuel Macron avec ses petits. En réalité, cette carte insiste surtout sur le fait eh bien, que nous avons surtout des proches de Macron, des gens qui pensent comme Emmanuel Macron, comme le président. Euh, ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Rarement, un président s'entoure de personnes qui ne sont pas d'accord avec lui. Et puis, le fait de garder tout le monde près de lui, en fait, c'est aussi un moyen de contrôle pour éviter les tentations de quelques ministres qui pourraient dire des choses contraire à ce qu'ils souhaitent entendre. Nous avons donc surtout un gouvernement rapproché et deux ministres qui sont bien calés sous les ailes protectrices d'un personnage. Alors c'est intéressant parce que nous avons Emmanuel Macron, mais nous avons la maman poule, on pourrait y voir, le couple Macron avec une forme de, de dissociation sur les deux. Ce n'est pas bien important puisque de toute manière, c'est le point de départ. Alors, ça, ça veut quand même dire aussi que quelque part, quand on en est là, quand il s'agit de remplacer, on a du mal à le faire. On est de toute manière dans un gouvernement de plus en plus resserré, même si certains, sur la peinture du gars, peuvent être tentés. On verra si c'est le cas. Ce qui va aller contre l'évolution du gouvernement. Et nous avons une carte. La carte beauté, je vous la montre, qui est une carte jupitérienne. Comment l'interpréter C'est relativement simple. Il n'attire plus personne. Ce gouvernement ne plaît plus à personne, dans l'opinion publique déjà. Et puis, je dirais qu'un gouvernement, quelque part, s'entoure de conseillers, de spécialistes, même s'ils sortent des administrations. Vous savez un petit peu comment ça se passe. En réalité, le ministre change, mais ceux sous ses ordres, c'est les mêmes que ceux du ministre avant. En réalité, c'est une structure très administrative qui reste. Et le ministre de tutelle vient un petit peu donner des directives. Mais il est conseillé souvent par des personnes qui ont déjà eu plusieurs ministres avant eux. Là, quelque part, les figures de proue... Euh, les ministres ne plaisent plus. Alors, autant on regarde un petit peu les polémiques, hein. euh, il suffit de regarder un petit peu ce que l'on voit sur Twitter, sur X. La ministre de la Culture, ça passe plus avec ses déclarations. Euh, Bruno Le Maire, ça fait longtemps. Darmanin est en échec. Dupont-Moretti, ça coince de tous les côtés. Olivier Dussopt, qui est, je crois, encore en procès actuellement. Vous voyez que quelque part, ça devient compliqué. J'en passe. Hein, Elisabeth Borne et ses tours de passe-passe de 49-3. On sent la société française se crisper de plus en plus. Et on, on, on ne parle pas de tout. On voit aussi les agriculteurs euh, qui sont dans la rue. Euh, ça, les médias n'en parlent pas. On voit des panneaux retournés. Je ne sais pas vous, mais moi j'en observe très fréquemment et pourtant... Je vous avoue, j'utilise très peu la voiture. Et pourtant, ce week-end encore, j'ai fait 30 km, ce qui n'est pas énorme, et j'ai vu cinq panneaux retournés, Et je n'ai pas forcément fait attention. Hein. Donc vous voyez que quelque part, on sent que la société française, ça coince. D'ailleurs, qui défend nos agriculteurs je, vous serais, je serais incapable de vous donner le nom du ministre de l'Agriculture en France. Vous voyez que quelque part, on sent bien des personnages très effacés, sous la coupe de leur maître, euh, mais ce gouvernement ne plaît plus. Et ce qu'on entend, ça ne va pas. On entend aussi beaucoup Gabriel Attal, euh, c'est pas pour autant que ça plaît. Et peu importe les raisons, on sent un gouvernement plus qu'à bout de souffle, on sent des, des réticences dans tous les coins. Alors le conseil a donné à ces gens. Bah, l'oracle est plein de bon sens, il ferait mieux de faire une élévation, c'est-à-dire de, 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 se, de se redresser pour le bien de la France, de se mettre au travail, sous-entendu que certains glanderaient. Euh, je suis méchant, mais peut-être que c'est tout bêtement la vérité. Hein. En tout cas, l'oracle sous-entend bien qu'il devrait se mettre au boulot. Ça laisse quand même euh, rêveur ce genre de remarque de l'oracle de, de Béline. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet oracle, parce qu'il y a toujours des petites, des petites indications comme quoi bah ben, ouais, nos ministres n'en font pas si lourd que ça, quoi, et que c'est vrai que brasser du vent, c'est aussi une façon de, de faire croire que l'on est au travail. Il n'en est rien. Alors le résultat dans tout ça. Alors la synthèse et le résultat. Et là, c'est intéressant. Parce que trahison, c'est une carte. C'est pas que le gouvernement va trahir. Ils vont être trahis. Alors, dans le langage de l'oracle de Béline, et il faut remettre dans la, dans, la, dans la perspective de la question, comment va évoluer notre gouvernement Je n'ai pas demandé le président, par exemple. Hein. Le gouvernement va se faire trahir. Moi, je dirais tout simplement que. Le gouvernement, puisqu'on parle de trahison, ça veut dire que quelque part on ne les laisse pas là où ils sont, en tout cas certains. une Majorité. Bah, pour moi, ça engage un, un nouveau remaniement ministériel avec des postes à pourvoir. Vous voyez, on, on voit de l'argent, des, des choses dans le présent, mais là c'est pas la carte du moment, du temps, c'est la carte du présent. On donne des présents. On, on essaie de réchauffer un petit peu des choses. Pour moi, on est plutôt sur une forme de où on va essayer, eh bien, de débaucher déjà. Alors, je m'attends à voir un ou deux LR venir un petit peu grossir les rangs. Pas forcément Éric Ciotti qui serait une tête de une tête de gondole, mais plutôt des LR, voilà, qui sont dits progressistes, vous voyez. Pour être clair, prêt à trahir leur propre camp pour un petit peu monnayer leur service, monnayer aussi leur voix et leur influence. Et puis quelque part, bah, oui, d'autres vont se sentir trahis, parce que finalement, le ministre qui est en place, il n'a pas envie d'être remplacé. En la place est bonne. Croyez-vous sincèrement que Dupont-Moretti et n'ait pas envie de rester ministre des, de la Justice? Croyez-vous qu'Elisabeth qu Borne n'a pas envie de rester Premier ministre pour la place, pour la sécurité. On peut s'interroger, hein, mais vous voyez, là, pour moi, quelque part, on va avoir des ministres remplacés. Alors, vous dire quand, j'irai janvier-février. La raison est simple, hein, j'ai posé déjà dans les six premiers mois de l'année, les JO arrivent à grands pas. Les JO, c'est à l'issue de ces six mois, c'est dans les six mois. On va... Ils vont pas faire un remaniement sur juin. Ça n'aurait pas de sens. Et plus les choses seront mises en avant, plus... plus nos gouvernants estiment, notre gouvernant principal estime que les choses pourraient se calmer. En fait, si on décapite quelques têtes, ça fait toujours plaisir au peuple. Voilà comment je le dirais, je l'interpréterai. Mais pour moi, nous allons, oui, certes, avoir des ministres remplacés. Je pense que notre première ministre est, elle aussi, partante. Je vous avais dit que d'autres ministres bougeraient, notamment Gabriel Attal. Il me semble que je l'avais dit. Je, je pense qu'on va avoir un, un, un remaniement un petit peu plus fort que certaines fois. Certains resteront au gouvernement, mais changeront de poste. D'autres quitteront le gouvernement. Il, y a de la, il, il faudra faire de la place pour euh, oui un ou deux LR qui qui seront débouchés. Et puis il faut rassurer, ou plutôt donner des gages. Alors attention, la, la concurrence va être rude au niveau Premier ministre. Darmanin avait le, le vent en poupe, c'est vrai. Je vous dirais que je vois quand même Darmanin venir en tant que Premier ministre. La concurrence va être rude avec Bruno Le Maire, mais je vois Darmanin. Darmanin est quelqu'un de dangereux qu'il va falloir calmer. Darmanin, malgré son échec sur la loi immigration, et quelqu'un qui, euh, qui est dangereux, dangereux dans le, dans le sens politique. En tout cas, pour moi, c'en est fini d'Elisabeth Borne, euh, trop fragilisée, et puis vous voyez des gens qui ont l'impression d'être là en poste pour longtemps et vont être trahis. Je pense que Bruno Le Maire fait partie de ces personnes-là, qui ont l'impression qu'ils vont pouvoir être Premier ministre et qu'ils vont pouvoir se faire trahir. Euh, parce que c'est une trahison de dire que vous allez changer de poste, avoir mieux et vous ne l'avez pas. Vous euh, voyez, c'est un petit peu ça. Dans, les politiques ont toujours une notion de la trahison qui est bien à eux. Dupont Moretti, pour moi aussi, va partir et je vous l'avais dit. Euh, il n'aura il pas de problème judiciaire et quelque part, je vous l'avais dit, il ne leur sera plus ministre après. Quelque temps après. Pour moi, on y est, on est sur tout ça et tout ça va se réaliser. Alors, comme je vous dis toujours, en voyance, attention, des fois, il y a un petit peu plus de temps, on peut déborder un peu, ça dépend un peu des, des, des tendances. Le temps n'est jamais très fixé, hein, euh, ou plutôt très difficile à cerner. Mais pour moi, nous serons sur janvier-février. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis on verra la suite de tout ça. Allez à bientôt les amis